Hey l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme du jour. Je vous propose de découvrir deux fourmis que vous n'avez probablement jamais vues de votre vie. Enfin, du moins j'imagine 99% d'entre vous. C'est des fourmis que j'ai eu la chance d'obtenir récemment, qui nous viennent d'Afrique du Sud, un lieu où on a vraiment peu d'espèces, vraiment peu de connaissances d'ailleurs, même sur les espèces qui s'y trouvent. Ces fourmis ne sont pas vraiment identifiées, on remarque déjà que chacune d'entre elles ont fait un choix différent. Certaines a préféré le côté humide, l'autre a préféré vraiment un tube sec. Je commence par vous présenter la première dont je n'ai pas le nom, je ne saurais même pas vous dire ce que c'est, sincèrement. Je vais essayer de me renseigner tout doucement, de voir avec des gens qui s'y connaissent éventuellement, notamment sur l'identification d'espèces en Afrique du Sud, et je vais leur demander qu'est-ce que ça pourrait être. On remarque déjà qu'on a deux reines avec un très beau couvain et deux ouvrières. Elles ont fait le voyage depuis l'Afrique du Sud pour arriver en Belgique, et de Belgique, j'ai fait l'acquisition d'elles juste après. Franchement, je suis ravi d'avoir cette opportunité, cette chance d'obtenir des espèces dont je n'ai même pas idée de ce que c'est. Ça fait plaisir, en fait. Ah, vous le savez, hein, j'aime découvrir justement des nouveautés, vous les partager, essayer justement de les amener à bien sans connaître leurs conditions, qu'est-ce qu'elles cherchent vraiment en termes de température, d'humidité, est-ce qu'il y a des changements à observer durant l'année, etc., etc. En tout cas, je les trouve vraiment très jolies, et dites-vous que celle-ci, je commence pas par elle sans raison, ce n'est que le début. La prochaine va être vraiment, je pense, qu'il faut vous accrocher, vous allez en prendre plein les yeux. Du moins pour tous ceux qui sont campo lovers, enfin qui aiment en tout cas tout ce qui est, je veux dire Camponotus, la suivante, je vous assure que c'est quelque chose. Celle-ci me plaise énormément, mais est-ce qu'on est vraiment sur une Camponotus, tiens? Ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez, vous, dans les commentaires, dans le chat, dans les gens qui regardent cette vidéo, tout simplement? Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce? En tout cas, la coloration est assez cool, mais je sais pas, la tête me fait dire que... assez particulier. Certes, on pourrait très bien dire Camponotus, mais vous voyez cette forme. Il y a pas mal d'autres espèces qui y ressemblent fortement. Donc voilà, à déterminer, je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas me mouiller. On voit d'ailleurs que l'autre reine a gardé une partie de ses ailes, elle n'a arraché qu'une seule partie. Est-ce que cette espèce est polygyne réellement, ou est-ce qu'elle fonde en pléométro? Je ne sais pas. Actuellement, pas de sacrifice. Deux ouvrières qui s'occupent du couvain et des deux reines par la même occasion. Je ne saurais vous dire qu'est-ce qu'il en est réellement. Plutôt chouette, donc ça c'est à nouveau une affaire à suivre, on verra comment se poursuit leur développement, est-ce que ça va bien évoluer, je ne saurais dire, franchement c'est un peu le flou, hein, mais bon. Pour l'instant en tout cas le couvain est très prometteur, il n'y a pas eu de stress au voyage, ça s'est bien relancé, donc ça c'est plutôt cool. L'autre espèce cependant, qui va arriver dans quelques instants, a eu plus de mal, le couvain a morflé, mais ça recommence tout doucement à partir de ce que j'ai vu, donc c'est plutôt rassurant. Dites-moi si vous connaissez cette espèce, et d'ailleurs, hein, j'en profite pour les gens qui partent en voyage à l'étranger, etc., etc. Vous êtes nombreux à m'envoyer du contenu déjà de ce que vous voyez, mais n'hésitez pas à m'en envoyer encore plus. Ça m'intéresse, j'adore voir ce que vous trouvez, ce que vous rencontrez, ça me permet d'échanger avec vous également, enfin c'est assez génial, donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez me contacter aisément sur les réseaux tels que Facebook, Instagram. Je n'ai pas TikTok, mais peut-être que je pourrais m'y rendre tôt ou tard. Enfin voilà. Je cherchais la seconde ouvrière et je viens de me rendre compte qu'elle était dans l'air de chasse. Certainement qu'elle s'est dit, bah tiens, on est mise à nu, soudainement il y a beaucoup d'éclairage, peut-être qu'on va avoir droit à un nourrissage. Effectivement, elles vont pas y échapper. Passons maintenant à la seconde espèce, celle que vous attendez tous, j'imagine. C'est, pour le coup, je pense, bel et bien une Camponotus, avec une coloration, mais oh, elle est sublime. Franchement, je la trouve exceptionnelle. Quand la personne m'a contacté, m'a dit, écoute, ça y est, voilà, j'ai deux espèces, est-ce que ça t'intéresse? Mais je lui ai dit, mais est-ce que ça m'intéresse? Mais non, envoie-la moi, n'attends même pas mon gars.
Elle est magnifique, franchement, c'est... Enfin, voilà. C'est une espèce qui me plaît énormément. Sa coloration, sa taille, tout est génial. Donc je croise vraiment les doigts qu'elles repartent correctement, qu'elles sont pleines de santé. Je veux voir ce que ça donne des majors chez elles, qu'est-ce que ça va être. Elle nous donne aussi l'impression qu'on l'a déjà vue sous une forme un peu différente. On a un mixte, j'ai l'impression, entre une belle Turkestanus avec une Componotus style Maculatus également, les traits qu'on voit notamment sur le gast. Enfin bref, on dirait vraiment un mix de plusieurs Componotus, hein. Quel est son nom? Ben, bonne question, j'en ai aucune idée. À nouveau, c'est une espèce dont je ne sais pas du tout l'identification. J'espère que dans la communauté, et des gens parmi qui regarderont justement cette vidéo, ont peut-être des indices, ont peut-être des clés d'identification leur permettant de m'aider. Je ne sais vraiment pas. Je sais que certains d'entre vous sont quand même vraiment chauds, donc n'hésitez pas quoi. N'hésitez pas à communiquer là-dessus, à m'écrire éventuellement, ou à me laisser un commentaire avec quelques idées. Je pourrais éventuellement comparer par la suite. Bref, franchement, je me régale d'avance. J'ai essayé de faire des images le plus net possible, le plus clair possible, que vous puissiez voir la pilosité, les différentes parties du corps, que ce soit les antennes, les pattes, le gastre. Comme ça, techniquement, vous pourriez l'identifier de votre côté également, si le cœur vous en dit. Donc voilà. En tout cas, elle est vraiment, vraiment magnifique. On voit qu'elle a une grosse larve, qu'elle a une toute petite ponte récente. J'espère en tout cas que ça va aller, qu'elle va bien se relancer. Je les avais mis dans leur tube de transport durant tout un moment, hein. Je les ai laissés déménager d'elles-mêmes, mais elles refusaient de bouger. Donc j'ai dû forcer un peu les choses. Et en soi, la ponte qui en résulte, ça a justement porté ses fruits, j'imagine. On verra si maintenant elle va continuer d'accentuer la ponte, parce que là, c'est vrai que c'est un peu faible, un peu léger. Mais on va faire en sorte de les mettre bien, en tout cas de leur apporter, je vais dire, les conditions qu'elles apprécient pour qu'on avance justement. Ce qui est plutôt cool, c'est que la personne, avant de me les vendre, s'est assurée qu'elles étaient en pleine santé, qu'elles étaient bien fécondes, et par conséquent, voilà, je ne pars pas sur une potentielle déception si on avait justement un pépin. Donc ça c'est déjà une très bonne chose, et le gars, comme je le disais, hein, celui qui m'a fourni ça, n'est pas du tout un vendeur, il fait pas du tout ça pour la vente, ni l'argent, il s'en fout complètement. Bien sûr, le gars, il paye son billet, etc. Donc c'est normal qu'il récupère un peu de monnaie derrière. C'est totalement normal. Mais un grand merci, parce que franchement, moi, ça me régale d'avoir ce genre de fourmis, quoi. J'ai hâte de les voir évoluer, de devenir d'énormes colonies, du moins si j'y arrive. J'espère en tout cas. Dernièrement, j'ai eu quelques pertes assez lourdes, hein, qui m'ont coûté vraiment cher. Notamment une Componotus que je vous ai présentée il y a peu de temps, qui m'a coûté un sacré billet. Je vous en parle dans de prochaines vidéos. C'est aussi les risques de l'élevage de fourmis, c'est du vivant, donc à tout moment ça s'éteint et malheureusement vous perdez beaucoup d'argent, et également ça vous met un petit coup au moral, mais c'est la vie. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous l'équipe, prenez soin de vos proches, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.